Mais la princesse n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya d'apprendre à son élève princier à parler comme tout le monde. On ne dit pas « j'habite un papillon », mais « j'habite un pavillon ».« J'habite un pavillon, avec une pelle morte d'enterrée !» Mais non, petit farceur, on dit « avec une belle porte d'entrée ». Avec une belle porte d'entrée. Peu à peu, le prince de Motordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement, mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus les mots. Salut Antoine, salut Stéphanie, salut Samira. Les enfants, voici la fin de l'année, le temps de la distribution des prix. Cette année, j'ai décidé d'attribuer une nouvelle récompense en raison de la qualité exceptionnelle de notre petit nouveau, le prince de Motordu. Son immense richesse lui a permis de vous distribuer des bonbons sans compter, sans toutefois perturber une année scolaire, au cours de laquelle il a réalisé de spectaculaires progrès en élocution. Ah ouais ? Je vous demande donc d'applaudir notre petit prince de Motordu.